Philippe Taillandier, je travaille au service espace vert de Couesnon Marché de Bretagne et je suis en charge de l'entretien des espaces verts communautaires. Et le jardin de l'eau donc est géré et entretenu par notre service. Ce jardin donc se situe sur la commune de Saint-Germain-en-Cogles et l'entrée se trouve face à l'entrée de la mairie. C'est avant tout un espace naturel permettant une balade dans un bel écrin de verdure. Un sentier est aménagé pour faire le tour du jardin et observer la flore propre à ce milieu. Lors de votre balade, vous découvrirez aussi deux lavoirs qui ont été restaurés. Pour compléter cette découverte, un parcours d'interprétation vous livre des renseignements sur la faune et la flore présente ici et sur la reconquête de la qualité de l'eau. Une aire de jeu est également à la disposition des plus petits et pour les plus sportifs, la commune de Saint-Germain a installé sur le site un parcours fitness avec 8 agrès. Le jardin de l'eau est le point de départ de deux sentiers de randonnée qui permettent de découvrir le patrimoine naturel et bâti de la commune. Il est aussi le point de départ d'un circuit géocaching. Le jardin est entretenu en gestion différenciée. La gestion différenciée est une manière d'entretenir les espaces verts de façon adaptée en fonction de leur surface, leurs caractéristiques et leurs usages. Par exemple, une zone non tondue va permettre de mettre en valeur la flore. Cette flore va attirer les insectes butineurs et ces insectes butineurs vont être le premier maillon de la chaîne alimentaire. Un des objectifs donc de ce jardin, c'est de mettre en valeur cette biodiversité. Le jardin est ouvert toute l'année en accès libre et une boucle de 800 mètres est proposée pour les personnes à mobilité réduite. Des animations pour les enfants et pour les plus grands peuvent avoir lieu sur ce site. Des tables de pique-nique sont également à votre disposition pour votre déjeuner, goûter ou dîner.